Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Anthony Mijoué. On va découvrir aujourd'hui quelle figurine Playmobil on a découvert dans la Magic Box de Quick. Voilà, à tout de suite après. C'est parti donc pour le déballage du jouet dans la Magic Box. Avec cette fois-ci, on avait fait la fée, si vous vous rappelez bien la dernière fois. Ensuite, on avait fait l'agent secret, le soldat médiéval et le chercheur au zoo, mais bon, il n'est pas ici, il n'est pas dessiné, plus le soldat médiéval. Donc c'est parti pour le jouet de cette semaine. Et donc il s'agit du second soldat moyenâgeux. On va le couvrir pour voir à quoi il ressemble et surtout quel accessoire il a. Je sais que vous aimez particulièrement les accessoires. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus et de vous abonner à la chaîne, de partager pour que les vidéos continuent. Je compte sur vous. Voilà, donc le petit bouclet offert avec les pompiers qu'on avait vu la dernière fois, le hockey, voilà, la savane. C'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup mon Playmobil, comme vous le savez. Et puis, dès qu'il y a un jouet Playmobil, je me permets de partager avec vous. Voilà, elle est super la maison. Super la maison avec la maman qui fait prendre le soleil au bébé. Père Noël, c'est déjà passé. Donc notre bonhomme ou notre figurine de ce mois-ci, de cette semaine, pardon, avec en côte de maille, hein, c'était fait pour éviter que les soldats se blessent au combat. Et donc avec une protection aussi sur les épaules pour protéger le soldat. Et donc avec des accessoires qui sont regroupés dans ce petit sachet. Pom, pom, pom. Il y en a un paquet là. Alors, qu'est-ce qu'il a? Il a son glaive. Comment ça marche? Son glaive dans son étui. Donc, il porte dans la main droite avec la petite protection sur l'épaule. Il a les yeux bleus. Et la protection en côte de maille à côté. Alors, de quoi s'agit-il ça? Pourquoi il porte ça? Qu'est-ce que ça serait? Ah oui, c'est à sa taille peut-être. C'est à la taille. Il a sa protection. Voyons voir comment c'est fait. Ah oui, c'est en haut. Ça se porte comme ceci. Alors, comment ça se porte? On va d'abord lui mettre ça. Avant de lui mettre. Plutôt comme ça. Hein. Pom, pom, pom. Là, peut-être mettre la main ici. Ouais, ça doit être comme ça. Et puis, est-ce qu'il met la tête? Peut-être. Peut-être, peut-être. Peut-être pas. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. Ça a l'air pas mal. Non. Alors, comment c'est fait? Comment c'est fait? Il est en travers, vous voyez? Il est en travers. Donc la ceinture est en travers. Regardez. Donc ça c'est sur le côté. Bon, c'est pas très grave, mais je vais bien arriver à lui mettre son harnais. Bon, c'est pas grave. On va considérer que c'est fait. Pour pas perdre de temps. Et la protection. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Que voici. Voilà, notre bonhomme est maintenant prêt. On lui a pas mis tous ses accessoires parce que
Il est tard et il veut aller dormir. Donc on va lui laisser juste son sabre avec son ou son glaive avec son sa protection. Ah si, le sabre, c'est la complétude, elle est là. Pouf. Il faut pas se tromper dans le sens. Voilà. Et après, le glaive est fait comme ça. Voilà, il est terminé. Donc on lui mettra pas ça une autre fois. Hein. Il a pas trop froid pour l'instant, malgré le froid qui règne sur la France. Il tient même plus debout, il est fatigué. Playmobil est fatigué. Alors je vais vous mettre les anciens qu'on avait déjà partagés ensemble. Bien qu'il y a le soldat médiéval, il y a le chercheur dans la savane, il y a l'agent secret, et puis il y a la princesse avec ses ailes de fée. Voilà. Ils sont mignons tous les cinq. Et on pourra raconter des histoires avec des batailles pour la princesse qui attend le prince de ce côté-là. Bataille entre les deux belligérants pour défendre la princesse. Sauve-moi, mon prince! Et donc l'agent secret qui vient surveiller tout ça. Voilà, merci à tous pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et surtout de mettre des pouces bleus pour les vidéos, pour la pérennité de celle-ci. À bientôt, au revoir.